Hello les beaux gosses, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Frit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Poppy Playtime Roblox. Et j'avais trop envie de faire cette vidéo car il y a une map où apparemment il y aurait une fin secrète, une secret ending qui a été rajoutée à la map. Du coup moi dès que ça parle de secret, fin secrète, tout ça, ça me hype directement. J'ai trop envie de découvrir ça justement, tu vois. Et pour que ce soit encore plus sympa, eh ben on va le faire ensemble. Donc c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, aller découvrir cette fin secrète Poppy Playtime. J'espère que vous êtes prêts. Si oui, abonne-toi si c'est pas encore fait. Like et on est parti. Allez, new game, let's go. Petit écran d'accueil sympa à la Poppy Playtime. Je sais pas si c'est une map que j'ai déjà testée auparavant. C'est une nouvelle map Poppy Playtime Roblox que je n'ai pas encore découvert. Mais on verra bien. En même temps, on va pouvoir voir si la map, elle vaut le coup, si elle est quali ou pas. Alors, tout le monde pensait que le staff avait disparu il y a 10 ans. Donc ça, c'est comme le début de Poppy Playtime. Hein. Il y a la petite note. Et nous sommes donc dans la map. Et écoutez, visuellement, ça m'a l'air d'être assez propre. On a le bienvenu, on a le bureau, on a la cassette vidéo ici qu'on peut récupérer et intégrer, enfin insérer plutôt dans la télévision avec la voix qui parle et tout. Non, franchement là on est sur un début de map plutôt cool et je crois que c'est une map que j'ai vraiment jamais découvert. On a le train ici comme vous pouvez le constater, vert, rose, jaune, rouge, les mêmes couleurs et tout. Là c'est quoi ça? Mec, ça fait super flipper. Par contre on a une petite poupée de Squid Game, il y a des petites références, c'est pas mal ça au niveau des jouets. On a Boogie Bot, c'est exactement le même avec la boîte Boogie Bot, on a des Oogie Boogie. Non franchement c'est propre hein. Je pense que cette map vaut vraiment le détour. Le exit, ouais, bon on pourra pas sortir, c'est mort. Là-bas il y a la porte et ici, il y a les codes à rentrer, donc c'est vert, rose, jaune, rouge. Hop là, c'est bon, ça nous permet d'ouvrir tout ça. Mais mec, c'est vraiment incroyablement bien fait. Pour le coup, je suis assez agréablement surpris. Hop, on insère la télévision. Est-ce qu'on va voir les explications? Comme dans Poppy. Ok, non, il n'y a pas les images qui apparaissent pour le tuto, mais on voit qu'il y a le grab pack qui est là. Ah bah c'est bon, au moins c'est vachement plus rapide, ça fait plaisir. Hop, j'allais vous dire pendant l'attente que n'hésitez pas les amis, hein, si vous achetez des Robux, vous pouvez me soutenir avec le code FRIT majuscule dans la boutique de Roblox. Merci à ceux qui le font, sorte de code créateur à la Fortnite, tu vois, mais sur Roblox. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir et vous, ça vous coûte rien. Ok, allez hop, on met la main, la petite barre de chargement, tout ça, c'est plutôt bien réalisé. Hop, est-ce que le Oogie Boogie est là? Oui, nous avons effectivement le grand Oogie Boogie qui se trouve ici. Il n'y a pas le petit bouton là, j'aurais bien aimé pouvoir l'activer et avoir la petite musique. Hop, de toute façon on connaît par cœur, ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir vraiment avancer assez rapidement. Nous ce qui nous intéresse vraiment c'est la fin secrète. Ok, le courant se coupe bien, la clé pop. Ah c'est bien fichu quand même, hein. Cafétéria, tout ça, on a les endroits, les Oogie là sur les boîtes, les petites boîtes d'ailleurs avec les Oogie. Non franchement c'est très très propre. Allez hop, on ouvre la porte ici et on va faire les bails de courant. Comment ça se passe ici? La petite affiche ici et nous allons à... Voilà, on va avoir besoin du bouton ici je pense à mon avis, non? Non même pas, attends, comment ça marche ici? Quel est le système? Ah putain mais il y a des endroits... Ah mais c'est trop cool! C'est l'endroit que j'ai pu découvrir sur la chaîne Frit 2.0. L'endroit avec les têtes de bébé, là on fabrique les poupées Poppy et tout. C'est glauque mais c'est trop cool qu'il l'ait mis ici. Genre ça fait un petit peu endroit secret, c'est trop bien. Pourquoi lui il a une couronne et une chaîne là? What the fuck? Et là, hop, il y a le truc de courant. On active le bouton ici, on passe là derrière le poteau, ok ça fait un poteau et je suppose que le deuxième poteau bah c'est bon, normalement je crois que j'ai réussi. On a un bruit d'alarme peut-être pour nous signaler que Oogie a disparu, ouais effectivement il est parti, oula. Voilà. Mais c'est que je vais commencer à flipper moi avec ces sons là. Putain, eh, franchement c'est réussi là hein. C'est limite la chair de poule, c'est quoi ça? J'entends des bruits de pas, what the fuck, je sais pas trop mec, allez on active le courant, non c'est bon. C'est ouvert maintenant que j'ai remis le courant, il n'y a pas besoin de... Wow. Mais mec, c'est incroyable par contre. La map est trop bien. Ok, est-ce que je vais me faire gazer la tête ou pas ici là? Est-ce que c'est comme dans... Ouais, putain, ouais. Eh ouais, franchement, ouais, c'est vraiment bien foutu. Il y a même des trucs en plus. Genre, c'est Poppy Playtime, mais plus, quoi. Genre, c'est trop bien. Ok, allez, on monte les escaliers. On va voir comment ça se passe par rapport au bail de pile et tout. Ok, on a la pile bleue. Comme dans le jeu, on a un Oogie Boogie très flippant là-bas. Là, bah voilà, casse-toi mec, c'est mieux, tu me fais peur. On va mettre la pile, et hop, et on va récupérer les autres piles. On a une pile verte juste là. On a la pile jaune ici. Franchement, ça va, elles sont simples à récupérer, je trouve. Et on a une dernière pile à récupérer qui se trouve où? On aurait dit que des clés, mais c'est pas ça. Ah, elle est juste là. Magnifique. Ok, allez, on vient en arrière, on vient sur nos pas et on va aller mettre les piles. C'est parti, let's go, let's go. Voilà, ça pète la vitre et ça nous libère la main.
La main, elle est où là? Attends, what the fuck? Parce qu'elle est à la main. Mais j'ai besoin de la main. Alors, si j'ai pas la main, ça risque d'être un peu compliqué là. Il me faut la main rouge là. Je sais pas où est-ce qu'elle est. J'espère que ça va pas bugger. Ah, attends. Ah, right arm. Putain, heureusement. Alors, ça se voyait pas, mais c'était bugué. Alors, on met la main rouge et on ouvre cette porte. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Genre, si on va avoir la même mécanique plus ou moins pour l'étape du courant là. Alors, voyons voir. On a la petite descente. Ouais, on va à droite ici. Ouais, c'est pareil. Hein. Franchement, c'est exactement la même chose que dans Poppy Playtime. Regardez. On met une première main ici. Peut-être qu'on doit passer là. Attends, ça m'a l'air d'être un peu différent quand même, mine de rien. Ouais, ça m'a l'air d'être un peu différent. Attends, je vais plutôt passer. Attends, là, je suis en train de faire de la merde. Je vais recommencer. C'est bon, en fait, c'est un par un. Et là, hop, tu fais ça. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Genre, est-ce que je peux avancer directement comme ça? Écoute, si ça s'active. Ok, c'est bon. J'ai juste activé du coup les deux trucs de lumière. Et je pense que c'est bon. Peut-être que j'étais bloqué avant. Ça nous permet donc d'arriver dans la fameuse salle Make a Friend. On va devoir créer notre cher petit 4B. Ce sera peut-être d'ailleurs pas un 4B, hein, ce sera peut-être un autre jouet. On verra, j'ai envie de dire. Alors, comment on va devoir procéder ici? On a la cassette. On a, hop, la petite rampe qui nous permet de traverser. Donc, j'ai mis ma main ici. On a un premier poteau. Il y a deux poteaux et c'est plus ou moins la même chose. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va passer ici. Voilà. Ensuite, on va passer ici, carré. Et on va essayer de voir s'il y a moyen d'aller, hop, activer le bouton. Attends, c'est ça? On doit pas se prendre la tête là. J'ai activé les deux poteaux, c'est peut-être suffisant. En vrai, je pense que c'est moins galère en vrai que dans le jeu Poppy Playtime. Donc là, ça m'étonnerait pas que je puisse. Attends, je meurs ou pas? Ok, non, c'est bon, je meurs pas. Là, ça m'étonnerait pas. Voilà, bah, tu vois, il est mis courant on. Donc c'est bon, on peut activer le courant. Et après, bah, il y aura. Ah bah non, c'est bon. Ça fait le jouet directement. C'est bien parce qu'il y a des étapes qui sont vachement plus rapides. Alors que dans Poppy Playtime, tu vois, on est là, on attend, on a le temps de se faire un petit café et tout. Là, franchement, c'est rapide. Vraiment, on va pas se plaindre. Ok, on récupère le nounours. Ce n'est pas 4B, mais c'est Birby. Allez hop, on met le jouet et on va avoir le Oogie Boogie qui va se ramener. Il se ramène pas tout seul, donc je vais devoir aller jusque là. Ok, vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3. Ok, c'est bon, il est là. Putain, il fait peur. Regardez ça, tête dans l'ombre et tout là. Il fait super peur. Ok, on perd pas de temps, on perd pas de temps. Moi, je veux voir la fin secrète, les amis. Ok, on avance. On descend ici. Jusque-là, c'est plus ou moins la même chose. Ah putain, attends, est-ce qu'il va. Oh putain, mais mec, c'est incroyable. C'est super bien fait. Oh là, ça fait peur. Oh là là là, il est horrible. On dirait une araignée. Ok. C'est exactement le même chemin, j'ai l'impression, que dans le jeu. C'est vraiment la même chose. Je vois pas. Ok, attends. Je descends. Je vois rien. On va ici. Ensuite, on va ici. Ok, j'ai trop peur. Ok, est-ce qu'on le voit? Je le vois pas, bizarrement. Ok, on va ici. Ça, c'est plus long que je l'imaginais, en vrai. Je sais pas où aller. C'est par là. Ok, c'est par là. Let's go. Je vois rien. Si vous voyez rien, c'est normal. Ok, on descend. On arrive au bon moment. Il va se faire défoncer si je fais pas descendre la caisse. Ok, c'est bon, allez, bam. Le Oogie, il dégage. Il tombe. Et du coup, attends, moi aussi, je dois descendre. Voilà. Le Oogie Boogie est tombé. Donc maintenant, je vais essayer d'avoir la fin secrète. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire pour accéder à cette fameuse fin. En tout cas, bien flippante la course poursuite. Hein. Franchement, elle fait bien le taf. Allez, c'est parti. On rentre. Et on va voir comment ça se passe. Déjà, on est effectivement bien dans la maison qu'on connaît dans le jeu. Avec la... Mec, c'est incroyable. À partir de là, j'ai vraiment l'impression d'être dans Poppy Playtime, par contre. Avec la grille là, la maison à jouer, la porte ici. Mec, c'est fou. C'est tellement bien réalisé. Les coussins, tout ça. Un truc activé, genre là, parce que je sais pas comment est-ce qu'on va voir la fin. Alors, secrète. Regarde, j'ouvre la porte. Et là, on a Poppy. En tout cas, c'est vraiment bizarre cet effet, genre autour d'elle. Ok, on va tester, les amis. Attends. Faut que je mette bien ma main. Ok. Alors, est-ce que c'est une fin secrète? Tu as ouvert ma boîte. Ok, normal. Mais quoi, et la fin secrète du coup? Non, mais j'ai besoin de la fin secrète par contre. Ah, mais non, mais attends. Ou alors, je suis obligé de faire la première fin pour avoir la fin secrète après. Ok, les amis, je viens de récupérer des clés. Du coup, ça va peut-être me permettre. De toute façon, j'allais faire le test. Là, je suis en train vraiment de chercher comment obtenir un truc secret ou quoi. Je vais essayer, quand j'aurai la main rouge, de revenir en arrière et d'essayer d'ouvrir la porte avec les deux mains qu'on peut pas ouvrir habituellement. Et en même temps, j'essaierai de voir si c'est pas les clés d'une autre pièce. Donc là, je récupère la main rouge et je vais essayer de revenir en arrière si c'est possible. Donc attention, si je fais ça et ça. Ah, bizarrement, j'ai vu un truc s'envoler. Ah, c'est bon. What? C'est ça, non? C'est une fin, non? Une fin un petit peu spéciale, je crois, non? Attends, si j'arrive à le contourner et aller là-bas au fond du couloir. On va tester. On va plutôt aller là-bas. Il y a des kissimissi sur les murs. Attends,
se passe quoi si je vais là? Il se passe rien. Je vais crever. Ok, oh, si, si, attends. Oh, il peut pas m'avoir. Yuki peut pas m'avoir. Yuki est un peu bugué là. J'ai une lampe que j'ai jamais utilisée encore. Tiens, j'ai quand même accédé à. En plus, j'ai fait bugger Yuki. J'ai quand même accédé à une pièce qu'on n'est pas encore vue. Hein. Allez revoir au début s'il y a rien à faire avec ça. Comment, non. Oh, 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 je crois que c'est ça. J'ai eu les clés en fait de l'entreprise. The N, yes, j'ai eu une secret ending, let's go. Oh zut, et j'étais exclu. Oh putain, je suis content, j'ai une fin secrète les amis, let's go. Alors je crois qu'il y a même d'autres fins secrètes, mais je sais pas du tout comment les obtenir. Si vous connaissez les fins de cette map là, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la map dans la description. Mais il y a genre une fire ending et une nightmare ending. En tout cas, j'ai eu une fin ending, je suis trop content. On s'est barré tout simplement de l'entreprise, let's go. Écoutez les BG, je peux donc terminer cette vidéo. Franchement, c'était cool, on a quand même pu voir aussi ce que ça faisait, hein, qu'ils allaient les deux mains. On a eu un Gwoogie qui nous a sauté dessus et on a pu avoir à la fin, on s'est barré carrément via les portes de sortie, certainement grâce aux clés que j'ai récupérées juste avant. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'était votre truc comme d'hab, prenez soin de vous d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.